Maintenant, on va étudier Osotogari. Je ne cherche pas tellement à écarter à ce niveau-là. Je cherche plutôt à amener le partenaire, ok, sur l'arrière, comme ça. Un peu le planter dans le sol. Donc, pour ce faire, au niveau du poignet, il y a ce mouvement-là, toujours. Hein, il y a une sorte de fouetter. Voilà. C'est important. Et là, au niveau de la manche, alors, à ce moment-là, hein, on peut faire ça, bien sûr, mais on peut aussi faire ça. D'accord ? Et entre les deux, j'ai entendu ici, il faut aller chercher, pour pas que je sorte percuté. Est-ce qu'il y a intéressant au niveau de la position de son propre corps, il faut arriver à lancer sa jambe et puis là, avoir bien entendu. Tous les muscles qui sont contractés. Très important. Ici, c'est vraiment un fouet. Hein, hein? Voilà. Pour tout la même chose. Hein, pour un balayage. Et également, si on veut faire un rigoshi, hein? Donc, pointe du pied effacé. Hein? Très important. Autre chose très importante, la jambe d'appui. La jambe d'appui, il faut vraiment qu'elle descende dans le sol. Et pour moi, le détail, certainement, de mon point de vue le plus important, le genou doit être positionné à la verticale de leur gros orteil. Si on est en deçà, pour moi, on est en déséquilibre arrière. Et sur un moment comme Osotogari, il faut vraiment exagérer ça. Hein, très important. Parce que sinon, le contre, il est immédiat. Et là, quand on est engagé, c'est vraiment, c'est tout le haut du corps qui se penche. Hein, c'est comme un, on va dire, une colonne, hein, qui viendrait à ce niveau-là s'effondrer. D'accord ? Détail aussi, l'espace doit être très petit pour cette forme-là. Hein, ce n'est pas une forme où je viens m'éloigner, c'est vraiment une forme où je cherche à aller derrière. Donc, pour ce faire, il y a un tout petit espace, juste de quoi laisser passer ma jambe.
aussi, l'engagement est tel qu'on est facilement soi-même en position de déséquilibre. Mais c'est pas important parce que le déséquilibre est sur l'avant, donc c'est ce qu'on recherche. Ok ? Ça, c'est la forme, à mon avis, la plus intéressante. Regardez, il est là, il vient vers vous, et vous l'accentuez encore le mouvement. Puis d'un coup, c'est hop, et c'est tout. Beaucoup de stabilité à ce niveau-là, l'avantage. Au niveau des poignets, et à un moment donné, j'aime bien comparer ça un petit peu comme l'exercice, comme une locomotive, hein. Au niveau de l'axe des roues, une locomotive, ce qui s'exerce à ce niveau-là. C'est ça, hein. Il y a une sorte de... On inverse. On amène à soi, et hop, on repasse sur l'arrière. C'est ça qui va surprendre. On l'amène. Et on cherche vraiment à planter son épaule dans le sol.